Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end, on a été pas mal titillés sur nos peurs, nos culpabilités, bref, hein, il y avait du job à lâcher, comme je dis souvent, oui je sais, c'est pas français, mais c'est comme ça, on se retrouve lundi, on a changé de jeu, c'est un nouveau jeu qui s'invite pour ce tirage. Alors, pour vous donner des infos, le calendrier de l'Avent est en pré-vente depuis lundi dernier ou mardi dernier, je ne sais plus. Il vous reste une semaine pour le précommander. Ça va très très vite. Je ne suis même pas sûre de tenir jusqu'au 10 octobre parce qu'au-delà, je ne pourrais pas fournir. Je vous rappelle que je l'ai fait moi-même, que c'est vraiment, bah, pour celles qui ont l'habitude, hein, ils sont plus à. On va dire, hein, chez moi, c'est vraiment une marque de fabrique. Vous aimez l'avoir, vous aimez découvrir vos cadeaux, vous aimez découvrir. Voilà, hein, vos pierres, vos bijoux, voilà, j'ai vraiment à cœur de vous offrir ça. Donc du coup, c'est disponible. Donc, si vous voulez le commander, il ne faut pas tarder. Faut pas tarder parce que je ne pense pas que je vais tenir jusqu'au 10. Je vais essayer, mais bon, je vous dirai avant. Donc, si vous êtes sûr de le prendre et que c'est juste une question de trésorerie de quelques jours, alors avant le 10, hein, bien sûr, ce ne sera pas possible de le payer après le 10 octobre et ce n'est pas possible de le payer en plusieurs fois. Voilà, je préfère être claire parce que ce n'est pas OK, ce n'est pas aligné, ce n'est pas gérable. Il est à 99 euros. Il est à 99 euros plus les frais de transport. Mais enfin, bon, si vous êtes en France, c'est pas. Voilà, je vous donne les prix. Donc, il faut l'avoir réglé avant le 10 et payer en totalité. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que les choses soient quand même très claires, voilà, très alignées. Il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. Et puis, je veux que ce dossier soit clos avant le 10 octobre. Donc, si vous êtes sûr de le prendre, mais que c'est juste, vous pourrez payer que le 5, par exemple, eh bien, vous me mettez un message en privé tout de suite et vous me dites, voilà, je le veux, voilà, je m'appelle comme ça, je l'ai déjà eu ou je ne l'ai jamais eu, je le veux absolument, mais voilà, je peux plus le payer que le 6. Et vous mettez la date à laquelle vous pouvez le payer. Ne mettez pas, je le paierai vert. Non, j'ai besoin de savoir, parce qu'on va faire un tableau avec mon assistante qui s'occupe de la compta, il est pitié d'elle, elle fait un tableau et on ne va pas vous relancer non plus, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, vous mettez, je le paye le 7 et le 7, bah, vous payez et puis voilà, et l'affaire est réglée. Vous pouvez payer jusqu'au 10 inclus. Au-delà, ben voilà, ce sera, c'est que c'est pas, et si c'est pas OK pour vous, c'est pas OK et c'est parfait. Mais n'envoyez pas de mail si vous n'êtes pas sûr de le garder, parce que en fait, ça bloque des calendriers qu'on pourrait vendre à d'autres gens. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse à un moment donné faire ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le 9, bah ouais, je suis désolée, hein, 10 et 9, le 9, c'est la pleine lune. Très belle pleine lune, et donc c'est l'occasion pour moi de relancer les soins lunaires avec mon comparse, avec mon ami, avec mon maître spirituel, de relancer quelque chose de très spirituel, de très canalisation. Hein. On est vraiment avec Jésus, on est vraiment sur du rituel très très fort. Donc pour toutes celles qui sont attirées par ça, par les rituels, les mantras autour de la canalisation de Jésus, qui sont à l'aise avec cette énergie, rien de religieux là-dedans, c'est une énergie divine, eh bien les soins lunaires sont pour vous. Et donc j'ai réouvert les portes pour rejoindre ça. Donc c'est pareil, c'est une nouvelle formule, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps chez moi aussi, mais qui sonne sa nouvelle formule, version quatrième année, version 2022, qui est sous forme d'engagement aussi, hein, qui est payable en 3 fois, mais c'est un engagement d'un an. Et bien parce que Sananda, c'est pas une épicerie, moi non plus, et qu'on peut pas dire je prends pas, non. Il y a un moment donné, quand on veut travailler sur sa spiritualité, quand on veut apprendre, quand on veut rentrer en relation avec Jésus pour pouvoir recevoir ses messages, pour qu'il nous accompagne dans notre vie, eh bien, il y a besoin de créer une forme de régularité. Et c'est comme ça que je conçois les choses. Je ne crois pas au coup par coup. Ce n'est pas ma façon de vivre. Ce n'est pas ma façon de travailler non plus sur moi. Je crois à l'engagement. Et tout ce que je vous propose en accompagnement, que ce soit le soin lunaire, que ce soit le coaching, que ce soit je veux tout, l'accompagnement, je veux tout, eh bien, à chaque fois, c'est quelque chose sur de la longue durée. Parce que c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on progresse. D'ailleurs, si vous voulez participer à ça, vous pouvez rejoindre le groupe J'ose ma vie aussi. Vous avez un rêve, une envie. Hein, j'en parle souvent de ce groupe. Il est ouvert. Il vous suffit juste de répondre aux 3 questions. Pourquoi vous ne rentrez pas dans ce groupe des fois? Bah, c'est soit parce que vous ne répondez pas aux questions. C'est comme si vous cherchiez à rentrer chez moi sans frapper à la porte. Donc, ce ne serait pas OK. Ou alors, vous répondez, mais vous oubliez de valider. Et du coup, je ne les vois pas, vos réponses. Voilà. Allez, c'est parti. Message du jour. On va aller voir un petit peu aujourd'hui ce qu'on vient nous proposer en ce lundi. Eh bien, la carte a sauté. Donc, on a quand même eu 2 fois le diable la semaine dernière. Hein. Donc là, on a le battleur. Bah oui, c'est lundi.
C'est lundi, on vous dit, mais vas-y, hein, vous savez, vous vous souvenez, vendredi, jeudi, vendredi, je vous ai dit, lâchez culpabilité, lâchez frein. Eh bien, peut-être vous avez fait ce travail ce week-end de lâcher un peu ça, en tout cas d'en prendre conscience. Peut-être celles qui sont dans le groupe, j'ose ma vie, bah, vous avez fait la respiration de la manifestation, hein, ce que je vous apprends à faire. Donc ça, c'est pareil, c'est ce qu'on apprend sur j'ose ma vie. Bah, peut-être que vous avez retrouvé une forme de sérénité, de calme et de paix à l'intérieur de vous et que du coup, bah, vous êtes prêt aujourd'hui à prendre ce nouveau départ. Alors là, la question qu'il vient nous poser Butler, c'est maintenant que tu sais que tu es prête, maintenant que tu sais que tu es capable, quel est le premier pas que tu vas faire aujourd'hui? Quelle est la première, aussi petite soit-elle, action, pas, vraiment c'est dans la matière, dans le concret, que tu pourrais faire, poser aujourd'hui pour aller vers la réalisation de ce que tu as envie, ou pour montrer un petit peu à tes guides, à l'univers, que tu as lâché tes peurs, que tu as lâché tes culpabilités, que tu es prête à faire ce pas. Eh bien, il y a ça qui est là. Butler nous dit, on est lundi en plus. Donc aujourd'hui, tous, posons-nous la question, quel est le pas de plus? Alors, soit c'est un nouveau pas parce que vous êtes dans une phase de procrastination, soit c'est un pas de plus. Quel est le pas de plus que vous allez faire aujourd'hui qui va vous permettre d'aller vers la réalisation de ce truc-là qui vous attirait mais dont vous vous sentiez loin parce que retenu par vos chaînes de dépendance. Voilà, c'est intéressant, c'est un petit peu mouvementé, hein, ça bouge. Mais Butler nous dit. C'est pas un grand pas que je te demande, c'est pas la révolution, c'est le premier petit pas parce que toute transformation, tout changement, tout nouveau chemin commence par un pas. Donc c'est faites le premier pas. Ça peut être vers quelqu'un, ça peut être vers une histoire, ça peut être vers une rupture, ça peut être vers un job, bref, faites le premier pas. Voilà, je vous souhaite une belle journée. On va se retrouver vers midi pour un autre tirage. Pas du tout ce que ce sera, on va se laisser porter par les énergies du moment. Et sinon, bah, ici ou ailleurs, dans le groupe J'ose ma vie, enfin bref, hein, où vous voulez, ou dès demain pour les messages du jour. Bye bye.